Bonjour Mélissa Cocrateur, c'est Lilou, je suis à Toulouse avec Anne. C'est une rencontre un petit peu comme ça qui s'est faite hein, sur place. On s'est rencontrés, tu m'as montré ton livre et écoute, je suis tout de suite, immédiatement, j'ai eu cette intuition, cette envie, cet élan de vouloir t'interviewer parce que le sujet est différent. Hein. Le titre de ton livre, c'est L'emprise des âmes. J'ai pas vraiment eu l'occasion d'interviewer des gens sur ce sujet. Parle-nous, qu'est-ce que ça veut dire, l'emprise des âmes, en fait? C'est des âmes qui se grefferaient sur nos corps physiques, qui prendraient un peu en otage des personnes physiques? Voilà, prendre en otage, c'est un petit peu négatif, mais ce sont des âmes, oui, qui peuvent s'installer dans tes auras un peu plus loin, mais aussi parfois tout à fait dans ton corps. Ce sont des âmes, je dis souvent des personnes qui ont eu un corps physique humain. Hein, et donc souvent quand je parle, je dis qu'il est important de bien mourir. Pourquoi? Parce que, donc, évidemment, l'hypothèse, quand on meurt, quelque chose nous survit, hein, que l'on appelle aujourd'hui conscience, âme, esprit, entité. Moi je dis âme parce que c'est par respect pour la personne qui a eu un corps physique et qu'elle a quitté. Alors, mais si en quittant son corps elle a, je vais dire, pas terminé certaines choses, par exemple elle a besoin de demander pardon, ou elle est dans un sentiment de trop de tristesse ou d'attachement, hein, d'addiction parfois aussi. La mort a été subite peut-être. Pardon? La mort a été rapide. Ou la mort a été rapide, donc elle n'a pas terminé un projet, elle n'a pas dit au revoir, des choses comme ça. Et donc elle ne va pas là où elle doit aller, dans le monde spirituel, le monde de la lumière. Alors elle peut rester dans ce qu'on appelle le monde physique, le monde des humains. Et elle cherche à vraiment... je vais dire, assouvir, enfin, pouvoir dire, pouvoir faire ce qu'elle n'a pas pu faire. Et comment ça se passe normalement au niveau de l'âme? C'est-à-dire qu'on meurt, l'âme s'élève automatiquement, normalement, et passe dans la lumière, c'est ça? Oui, non, pas tout de suite. Donc, quand on quitte le corps, en principe, hein, avec toutes les expériences de NDE, de EMI qu'on a maintenant, on connaît assez bien le parcours juste après la mort, hein. Et donc, on rencontre en principe la lumière, le guide, des personnes de sa famille, et on les suit. Elles vont nous encadrer, elles vont nous réconforter, elles vont nous accompagner. Mais si, comme je disais, si on a quelque chose qui n'est pas vraiment terminé, on peut dire qu'on a encore un certain libre arbitre. En fait, c'est ça qui est très important, dont on ne se rend pas compte. On ne va pas tout de suite au paradis ou en enfer ou je ne sais pas où. On a encore un certain libre arbitre et on peut dire oui, mais j'ai oublié de dire au revoir, ou je voudrais demander pardon, ou laissez-moi encore quelques temps avec ma famille. Alors, dans toutes les religions du monde, dans toutes les civilisations du monde, on comprend très bien et on respecte ces phénomènes post-mortem, je vais dire. Hein. Mais chez nous, malheureusement, on ne s'en occupe pas. Hein. Et donc, les âmes, on n'est pas à l'écoute. À l'écoute de ce qu'une personne qui est partie puisse encore vouloir nous dire. Hein. Mais parfois, ce sont des âmes qu'on ne connaît pas. Parfois, on peut naître avec une âme. Alors, des fois, elles sont violentes, et on va aller jusque dans le cas, parce que tu le mentionnes dans le livre, de ces criminels, pour toi, qui des fois sont possédés par certaines de ces âmes. Est-ce qu'on peut utiliser le mot possédé? Parce qu'il y a des âmes, quand même qui sont assez négatives ou violentes, même. Comment on s'en aperçoit, en fait, avant d'aller jusque dans cet aspect-là, comment on s'en aperçoit qu'il y a une âme? Parce que ça peut être assez discret ou assez subtil, non? Oui, effectivement, il y a tout un travail pour vraiment distinguer s'il y a une âme avec la personne, une ou plusieurs, hein, ou si c'est autre chose. Ça peut être des projections, ça peut être ça peut être des souvenirs, des mémoires, des choses comme ça. Hein. Mais on peut détecter, si c'est une âme, une ou plusieurs, la personne a des angoisses. Parfois, elle change, le regard change, la voix change. Et très souvent, elle dit, c'est pas moi, c'est plus fort que moi. Ou elle peut dire, depuis mon anesthésie générale, depuis mon opération, je suis plus la même. Pourquoi ? Parce que, bon, là j'anticipe un peu, quand on est anesthésié, mais c'est pas la généralité bien sûr, on perd nos protections parce que nous avons tous des protections, nous sommes nous-mêmes dans notre corps et dans nos auras, mais on peut perdre nos protections. À ce moment-là, disons dans un hôpital, une personne meurt à côté, ou dans la pièce ou l'étage à côté, elle sort de son corps, elle sait pas trop où aller, et elle voit là un corps bien chaud, sans protection.
Elle... Bah, c'est gonflé. Ouais. Mais je vais dire, celles-là sont assez faciles à aider parce qu'elles se sont un peu trompées. Mais enfin, il y a quand même toujours un peu de résonance. Mais dans ça, ce sont des cas... Ça fait peur votre truc, là. Attendez, parce que dans le coup, moi, je ne veux plus me faire anesthésier, je ne veux plus être dans un hôpital, je ne veux plus... Faut pas nous foutre la trouille, parce qu'après, si on est dans la peur, c'est là où ces âmes viennent, quand même, on est d'accord. J'ai écrit le livre justement pour ne plus avoir peur. Ah. Vous aviez peur ? T'avais peur ? Jamais. 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 Mais on peut avoir peur. Tu mentionnais les âmes, elles sont violentes, tu as dit, ou quelque chose comme ça. Il y en a qui disent « Oui, mais les âmes, elles sont méchantes. » Non, non, non. Une âme n'est pas méchante. Et si elle est méchante, entre guillemets, c'est parce qu'elle a souffert. C'est parce qu'elle souffre. Et donc, il faut... Enfin, ce que je fais, j'essaye de contacter l'âme, de m'adresser à elle et de lui dire « Bon, doucement, de quoi avez-vous besoin ? Pourquoi n'êtes-vous pas allé dans la lumière ? Hein ? De quoi avez-vous que puis-je faire pour vous ?» Alors, ça, c'est ton rôle, toi, quand tu es en séance avec des gens pour les aider à libérer ces parties-là ? Parce que j'ai entendu des sacrées histoires sur ton travail, quand même. Oui. Peut-être. Personne qui se rappelait de mémoires passées et en détail, dans une langue différente, des fois, et en faisant des recherches ensuite sur Internet, c'était bien une personne qui avait vécu et... Ah oui. Oui, oui, j'ai parfois des cas vraiment passionnants, quoi. Hein. Et donc, c'est quelque chose de très beau, ce travail-là. Moi, je l'aime beaucoup. Parce que on se rend compte à quel point l'âme, quand elle a... Ça peut être quelques secondes, hein, quand tout d'un coup, elle réalise... Parce que parfois, elle réalise même pas qu'elle a quitté un corps physique. Mais quand elle réalise qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle doit continuer son évolution spirituelle. Hein, alors... Et qu'on peut l'aider à ça, c'est magnifique. Et puis la personne se sent tout à fait libérée. Des personnes me disent « Mais j'ai l'impression d'avoir eu une veste trop serrée toute ma vie. Je peux enfin respirer. » Et puis, elles voient, elles visualisent, elles imaginent, elles ressentent, je ne sais pas, chacun avec son ressenti, que l'âme est partie et elle est heureuse. Donc, je vais dire, je ne lâche pas une âme avant qu'elle soit en paix. Soit, parfois, les personnes les perçoivent fâchées ou violentes, comme tu dis. Et j'ai dit oh, « Stop, que se passe-t-il » hein ? Il y en a qui, une fois, une personne me dit, tout d'un coup, elle dit « Je suis le diable, c'est le diable qui parle en moi, je suis le diable, fichez-moi la paix, c'est pas moi que vous allez aider. » Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit « Toi, diable, moi, je ne crois pas au diable, mais ce que je crois, c'est que pour être comme tu es, tu as dû beaucoup souffrir quand tu étais petit. » Et puis tout s'est calmé. Alors, il y a différents types d'âmes. Est-ce qu'on peut les classer comme ça en différents petits catégories ? Une âme, c'est une âme. Non, je ne catégorise pas parce qu'il y a... J'ai cru voir ça dans ton livre, je ne sais plus où. Tu veux dire des catégories d'âmes ? Oui. Ou des catégories de comment elles se mettent, oui. Peuvent se mettre avec nous ? C'est-à-dire plus démoniaque, plus angélique, plus... Non, moi je ne crois pas vraiment aux démons, je laisse ça à d'autres, disons. C'est-à-dire, oui, en fonction de leur souffrance, de leur passé, de leur passé dans leur vie antérieure ou dans leur vie ici, elles peuvent avoir différentes caractéristiques, caractères. Donc je disais, on a encore un certain libre arbitre. Bon, les orthodoxes, les bouddhistes disent, pendant 40 jours après la mort, vous pouvez peut-être encore... décider de certaines choses, hein. Et puis après, elles peuvent aller là où elles doivent aller. Je dis là où elles doivent aller. Alors on peut les y aider. Hein. C'est pour ça que même dans notre religion chrétienne, il y a des rituels. Il y avait, parce que souvent on ne les utilise même plus, parce que l'âme, elle a besoin d'un coup de pouce. Elle a besoin qu'on l'aide souvent à aller là où elle doit aller. Et il est très important de les aider. Sauf que ça ne doit pas vraiment plaire à la religion chrétienne, là, ça, non ? Si, parce que... Mais si, justement, avant, la religion chrétienne avait tous ces rituels. Un enterrement catholique, je vais dire, parce que je crois protestant, c'est un peu différent. Le prêtre, il parle à l'âme et il dit à l'âme, va où tu dois aller. Ouais. Et il fait le geste et il met de l'encens. L'encens aide beaucoup. Donc les âmes ont besoin de notre aide, de l'aide des vivants.
On peut appeler ça prière, penser chacun à sa manière, quoi. Mais... Non, parce que dans, avec cette histoire de religion ou autre, sans trop rentrer dedans, mais le prêtre, en effet, ou certaines personnes sont nommées, ont ses fonctions, ont été désignées. Et où est-ce que tu te retrouves, toi, dans ce... Parce que beaucoup de personnes ressentent, elles aussi, le pouvoir, si on peut dire, ou l'envie, ou le besoin de faire ses prières, de faire ses bénédictions, de libérer des âmes sans forcément être désigné par l'Église elle-même ou par des institutions. On est tous capables de faire des choses comme ça et de libérer des âmes, même, voire même de libérer une âme qui peut être là en nous. Bien sûr, bien sûr. On peut tous faire ça. On peut le faire, je dirais même... On devrait le faire. Hein. C'est parce que je ne sais pas pourquoi, à cause de tous ces films sur les exorcismes et tout ça, ça fait peur à tout le monde. Et mon Dieu, comme c'est dommage. Parce que une âme a tellement besoin d'aide, je le répète, quoi. Hein. Elle demande, elle est en aide. C'est pour ça qu'elle se manifeste. Alors, elle se manifeste de différentes manières. Il y en a où c'est l'électricité qui claque. Bon, l'extrême, c'est les poltergeists. Mais sinon, ça va simplement, si elle est sur une personne, ça peut aller simplement d'un mal-être, un simple mal-être, jusqu'à quelque chose de beaucoup plus... Ça peut aller jusqu'au suicide, hein. Parfois au crime. Ouais. Mais donc, il y a toute cette forme. Alors, moi, je donne des formations. Tu demandes si tout le monde peut faire ça. Oui, on peut bénir, on peut aider, on peut... Nous, oui, tout à fait, pourquoi pas. Si on est bien avec soi... Comment on sait si c'est... parce qu'on parle beaucoup de double personnalité ou de personnes schizophrènes ou tout ça. Comment on sait si c'est une âme, si c'est plutôt une maladie la présente? Peut-être que la personne, en fait, voit vraiment ce qui se passe et après tout, notre société ne le comprend pas. Oui, tu as raison, c'est une bonne question. C'est pour ça que j'ai mis deux chapitres pas très longs dans mon livre à ce sujet. Donc, beaucoup de psychiatres, mais malheureusement pas assez chez nous, mais en Angleterre en tout cas, ce sont les psychiatres. Moi, je suis formée en Angleterre par des psychiatres qui se rendent compte que dans leurs hôpitaux psychiatriques, il y a beaucoup de personnes qui sont simplement sous l'emprise d'autres âmes. Hein, un livre des plus passionnants, c'est Carl Wicklan, à la fin du 19e siècle, qui était un psychiatre anglais, je crois, et sa femme était médium. Il a écrit un livre magnifique qui s'appelle « 30 ans parmi les morts ». Et donc, il s'est rendu compte que la personne que l'on dit malade mentale, bon, à l'époque on disait fou, enfin bon, venait avec des drôles de symptômes. Donc, il parlait d'une voix différente parfois, enfin, il racontait des choses étonnantes. Et il se rendait compte que quand la personne était avec lui et que sa femme était présente, quelque chose passait du patient à sa femme. Sa femme prenait les symptômes de lui et lui, elle était guérie. Ah, c'est... Alors, il se posait la question, il dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et il a soigné comme ça. Donc, c'était des formes de possession. Quand je dis possession, ce n'est pas par des démons, ce sont par des âmes. Et donc, il a réussi. Après, il s'occupait de sa femme qui était médium et l'âme pouvait partir plus facilement. Et donc, il a écrit « 30 ans parmi les morts ». Il a aidé des milliers de personnes qui étaient en hôpital psychiatrique qui ont pu sortir. Oui. Maintenant, je ne dis pas que toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, que ce soit les prisons, les hôpitaux psychiatriques, sont simplement, je veux dire simplement, sous l'emprise d'une âme, mais beaucoup le sont. Et parfois, ce sont des choses en plus d'autres problèmes parfois. Hein. Ouais. Mais on peut les aider. Plus complexe que ça, mais on essaye de toucher un petit peu pour comprendre un peu ton univers et le travail, mais. Il y a des cas aussi un peu particuliers. Dans le livre, tu parles à un moment de criminels. Oui. Pour toi, il pourrait y avoir une âme qui est criminelle et qui fait faire des choses à cette personne. Et en fait, il y a quelque part des criminels qui sont innocents ou qui ne devraient pas être jugés comme des criminels. Bon, c'est un sujet extrêmement délicat, évidemment. Et je pense qu'on devrait se poser la question. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que je ne suis pas ni juge, ni je ne travaille pas dans les prisons, mais j'ai des amis qui travaillent dans les prisons et qui disent « Anne, ce que tu écris dans ton livre, je l'entends tous les jours. » Des personnes dans les hôpitaux psychiatriques des prisons qui disent « Je vous jure, ce n'est pas moi. Hein? » Oui, c'est moi, c'est vrai, c'est moi qui ai tué, mais ce n'est pas moi. Hein? Alors, il y a des cas assez fameux, il y a quelques rares livres qui ont été décrits où la personne, je mentionne un cas où il disait... Mais alors le juge lui dit mais c'est quand même toi qui as tué. Non, c'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi. Mais enfin, alors à la fin, la personne dit mais c'est quand j'étais Georges. Disons quelqu'un qui s'appelle Jean qui dit mais c'est quand j'étais Georges. Donc il dit lui-même j'étais quelqu'un d'autre quand j'ai tué. Donc je vais pas dire que ce Jean c'est lui,
Enfin, c'est un sujet. J'ai écrit ce livre parce que moi, je suis très interpellée par l'injustice depuis mon enfance, disons. Hein. On disait Dieu est bon et je trouvais qu'il y avait des gens malheureux. J'ai dit comment Dieu peut être bon et puis faire que dans la création, il y ait des gens qui ne sont pas heureux. Et donc, je me suis toujours posé la question, il y a beaucoup d'injustice. Et tout ce qui est injuste m'a toujours interpellée. Et je me suis aussi toujours intéressée à ce qui n'est pas expliqué ou ce qui est mal expliqué. Hein. Et donc ça, c'est un sujet qui m'a, je ne sais pas pourquoi, interpellée. Peut-être que je continue quelque chose que j'ai commencé dans une autre vie, je ne sais pas. Mais il faudrait qu'on se pose des questions. Oui. Alors, régression de vie passée, on est obligé de le mentionner dans cette conversation, parce que quand certaines personnes font des régressions de vie passée, donc ont forcément des expériences de vie passée, alors quelle est la différence entre une vie passée qu'on a vraiment vécue et dont on peut avoir encore des souvenirs, avec une âme qui, elle, s'est incrustée sur nous et nous fait vivre des choses, quelle est la différence ? Oui, c'est une bonne question aussi. Je vais mentionner Edith Fior, qui est une psy américaine, qui a écrit un livre sur les vies passées et un autre livre sur les esprits possessifs, comme elle disait, qui sont deux choses différentes. Mais effectivement, on peut confondre, enfin, dans ce que je fais, je ne confonds pas. Ça s'apprend, hein. Mais on peut se souvenir de vies antérieures, donc de karma. Des personnes disent... je tombe toujours sur les mêmes hommes, par exemple. Une des femmes disait, j'ai toujours les mêmes problèmes avec les mêmes hommes. Ou bien, je tombe toujours sur un patron qui me maltraite ou je ne sais pas quoi. Ça, ce sont plus des choses karmiques, je vais dire. Hein. Alors, il faut, on n'est pas obligé, mais voir ce qui s'est passé dans une autre vie, pour voir pourquoi, qu'est-ce qu'on n'a pas terminé dans cette autre vie. Peut-être qu'est-ce qu'on a là où on n'a pas demandé pardon ou quelque chose comme ça. Et pourquoi ça nous arrive. C'est karmique. Ok. Et donc, c'est pour ça que dans ce que je fais différentes choses. Je peux conduire dans les vies antérieures si nécessaire. Parfois, ce sont les ancêtres aussi. Hein. On est dépendant de ce que les ancêtres ont fait. Maintenant, la psychogénéalogie fait beaucoup de progrès, très important. Mais ça peut être aussi une âme qui nous pousse à faire des choses qu'on n'a pas envie. Alors, c'est différent. Donc là, je mentionnais tout à l'heure, on peut avoir des angoisses. On peut dire c'est plus fort que moi. On peut avoir des tics bizarres. Quand je travaille, disons, et qu'une personne est sous état modifié de conscience, je vais dire, parce que le mot hypnose n'est pas toujours le bon mot, mais disons, à ce moment-là, on peut contacter l'âme, et l'âme elle-même va dire, et la personne va dire, je sens, ou je vois, ou je visualise une personne qui est fâchée. Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi elle est fâchée? D'où elle vient? C'est pas moi, elle m'influence, etc. Et alors, je peux... capter l'attention de cette âme et lui dire, nous sommes là pour vous aider. De quoi avez-vous besoin? Ouais. Est-ce qu'il y a une partie qui peut être aussi de choses que la personne est en train de vivre dans cette vie-ci et quelque part, on y met peut-être avec l'imaginaire des mots et des messages et au final, peu importe, parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui a besoin d'être exprimé? Oui, bien sûr, ça aussi. Ce sont toutes des très bonnes questions que tu poses. Donc oui, il y a des personnes qui ne veulent pas avoir leurs propres problèmes et qui disent « Ah, je dois avoir une entité, c'est pas moi hein. ». J'ai des personnes qui viennent et qui disent « Oui, je dois avoir une entité » qui n'ont jamais fait un travail sur elle. Bon, c'est un peu facile, donc il faut faire quand même un travail sur soi. Et parfois, effectivement, les personnes qui viennent me voir ne devraient pas venir me voir, mais plutôt faire une bonne psychanalyse ou une bonne thérapie. Mais cependant, comme elles sont chez moi... Alors, je les aide alors à ce moment-là à faire une régression, là où elles ont eu un problème qui les a menées à avoir le problème qu'elles détectent et c'est pourquoi elles viennent. Mais en fait, elles acceptent toujours, si je dis, je ne pense pas que vous ayez une entité qui vous pousse à ça, mais si vous voulez, on peut faire une régression, voir ce qui vous amène à être comme ça et pour mieux vous connaître, peut-être. Il y a un petit passage dans ton livre où tu mentionnes pour se protéger, pour y a un peu des petits rituels, des petites choses à faire. Ce côté pratique que tu pourrais nous transmettre aujourd'hui, qu'on peut faire pour se protéger de ses âmes ou dans des lieux publics peut-être, comme là aujourd'hui au Palais des Congrès, enfin au Centre des Congrès de Toulouse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lumière ici, donc il y a pas de problème. Mais il y a évidemment toujours des âmes qui circulent, je vais dire un petit. Peu partout. Se protéger, je vais dire, nous avons des protections naturelles, tout le monde. Hein. Si on est bien centré, nous avons nos auras, nous sommes bien.
ok. Mais quand on va dans un hôpital, dans un cimetière, quand on ne se sent pas très bien, quand on a eu un choc, quand on a perdu ses protections, comme je disais tout à l'heure, alors effectivement, s'il y a des âmes qui sont là et qui ont besoin de s'accrocher pour une raison ou une autre, elles peuvent s'accrocher à nous. Il y a une chose importante que je voudrais dire aussi, je disais tout à l'heure, on peut naître avec une entité. On parle beaucoup d'avortement aujourd'hui, hein, alors il y a des tas de choses que l'on dit là-dessus, mais disons, je veux vivre, avec toi, et j'ai choisi d'être ton enfant. Et pour une raison ou une autre, toi ou une autre personne ne peut pas. Et la femme est obligée, pour des raisons qu'on respecte, hein, d'avoir un avortement. Hein. Donc, l'âme qui est déjà arrivée là, ou bien elle part tout de suite, ou bien elle dit... flûte, on n'a pas voulu de moi, c'est pas juste, je suis pas contente. Et elle reste. Hein? Et après, la personne, la femme, peut être enceinte de nouveau. Ok ? Mais il y a déjà une âme là. L'âme de celui qui a été avorté. Ok ? Et donc, la deuxième âme, celle qui est venue, qui a vraiment pris corps, elle peut naître avec un frère ou une sœur qui, lui, dont on n'a pas voulu, ou dont on n'a pas pu vouloir, je vais dire. Hein? Ok ? Et donc, cet enfant, cette âme de personne avortée, une âme, c'est pas un petit bébé, un petit ange, enfin, elle peut avoir une configuration adulte. Donc elle peut dire on n'a pas voulu de moi, et l'enfant qui a donc une âme qui dit on n'a pas voulu de moi peut lui-même avoir les symptômes de cette autre âme qui dit on n'a pas voulu de moi, et on peut voir des enfants qui sont comme ça qui sont tout retirés, ou bien le contraire, dans l'ombre de quelqu'un d'autre en fait. Oui, ou le contraire, il dit on n'a pas voulu de moi, je vais vous prouver que j'existe quand même. Et il y en a qui sont vraiment, qui veulent tout le temps se faire remarquer, toi j'existe. Je dis pas que c'est tous les cas bien sûr, mais je veux dire, posons-nous les questions. Souvent je dis, je voudrais m'adresser aux personnes qui s'occupent des enfants et qui peuvent détecter assez rapidement, parce qu'il y a le même cas pour les jumeaux par exemple, souvent il y a un des deux jumeaux qui avorte, et on peut naître avec un frère ou une sœur jumeau. Donc détectons ça, parce qu'au début, l'enfant va jouer avec son ami invisible. Hein? C'est très bien, mais en grandissant, il faudrait que l'ami invisible puisse suivre son évolution ailleurs et ne pas intégrer de plus en plus l'autre, parce qu'il ne saura plus très bien qui il est. Et alors, commencent les troubles. C'est ça aussi, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont souffert, je mentionne beaucoup dans mon livre, les viols, les agressions, la violence. Parce que quand on subit une très grosse violence, ou un accident parfois, quelque part, on sort de son corps. Et donc, le corps n'est plus protégé. Donc, à ce moment-là, on peut subir des intrusions, d'infiltration, ça dépend comment on appelle ça. Ou des bouts d'âme qui partent, hein, parce que ça, ils en parlent beaucoup, les chamans aux États-Unis. Je pense à Sandra Ingerman, que j'ai pu interviewer, qui parle de bouts d'âme, c'est-à-dire qu'il reste une partie de l'âme, mais certains, au fur et à mesure de ces expériences tragiques, peuvent partir du corps. Donc, il y a cet aspect-là aussi. C'est peut-être l'âme aussi de la personne qui est plus complète, sans parler forcément d'une autre âme qui est rentrée. Mais c'est là où, toi, tu dis, c'est là une porte d'entrée pour d'autres âmes. Oui, 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 mais il y a ça aussi, c'est un autre phénomène. C'est complexe. Hein. Oui, les fragmentations d'âme, donc effectivement, il est bon d'aider la personne à récupérer les morceaux d'âme qu'elle aurait perdu dans ce genre de cas, comme tu mentionnes, hein, de récupérer ce qu'elle a perdu, et puis parfois le contraire, quoi. Elle a avec elle des morceaux d'âme de quelqu'un d'autre. Oui, c'est complexe, mais c'est pas si complexe que ça. Non, vraiment pas. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment rassurer tout le monde, mais en même temps attirer l'attention. Il y a beaucoup de personnes qui sont injustement traitées. Il suffirait de les aider d'aider les âmes qui les possèdent, enfin, sous l'emprise desquelles elles sont, pour qu'elles puissent se retrouver vraiment elles-mêmes. Et c'est ça qui est important. Ouais. Juste le petit mot par rapport à la protection, c'est la lumière, c'est de demander que la lumière nous... Oui, c'est vraiment s'entourer de lumière. Hein. Mais souvent je dis, attention, ne mettez pas une protection de lumière comme ça. Assurez-vous que dans votre protection, il n'y ait pas déjà une âme. Donc la protection, elle peut venir. Non, il ne faut pas avoir peur. La protection vient de l'intérieur. Donc prenez l'intérieur et entourez-vous de lumière comme ça. Repoussez à l'extérieur de vous tout ce dont vous n'avez pas. Très bon conseil. Hein, ça va ? Oui. Donc voilà, ça part de nous. Au fur et à mesure que ça s'élargit, nous sommes de lumière, et à l'extérieur va ce qui n'est pas vraiment nous, qui nous sommes vraiment. Oui. Mais après, il faut les aider si on peut. Oui. Mais la lumière peut aider aussi.
Très bien, merci Anne. L'emprise des âmes, c'est une entreprise aussi, oui. ça demande du courage, tout ça, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi, mais tu sais, c'est pas du courage, c'est, je ne sais pas, c'est de la lumière. Parce que c'est clairement ce que tu es censé faire dans cette vie, donc quelque part, t'as plus de facilité à ça, mais pour beaucoup d'entre nous, on voit ça comme très courageux, alors merci de faire ce travail. Merci à toi, oui, j'espère que ça peut aider certaines personnes. Je suis sûre, merci beaucoup, gros bisous à vous, mes délicieux co-créateurs de Toulouse. Merci Anne, au revoir. Merci Lilou, merci à vous.